sale tête. J'aimerais pas me retrouver en face de lui. T'as déjà vu un grand requin blanc, papa? Ouais, une fois. Il m'a pris la moitié de ma pêche et déchiré mon filet. Faut pas les chercher. Ils sont capables de te mettre en pièces. Des morceaux de cette taille. Ouais, pas plus gros que ça. Kim. Kim. Alors, la vaisselle. 10 dollars. Quoi? Hier, tu m'en as pris que 5, je te rappelle. Tu veux que je continue à faire tes corvées? Eh bien, mes prix ont augmenté, Cléo. Et en plus, j'aimerais regarder la télé. C'est 10 dollars. Tu rêves? Mais enfin, mais qu'est-ce que t'as? Je sais que t'as peur de l'eau, mais là, c'est ridicule. D'accord, 10 dollars. Cléo? Je te paye tout à l'heure. Viens voir ça. C'est la plus belle scène. La frénésie du repas. Et toi, ça t'amuse de regarder ça? Jamais. On s'est chronométré et tu sais combien de temps on peut tenir sans respirer? Au moins 15 minutes. C'est impressionnant. Ouais, pas mal, hein? On aurait pu tenir plus longtemps si on avait voulu. Je veux. Tu prétends que tu peux me battre? Tiens, si je le crois. Il y a qu'à essayer. Ça doit être complètement l'éclate, ce genre de truc, non? Ouais. En tout cas, nous, on s'éclate. Hé, hey Cléo, c'est un truc de fou, ça. Ces deux nanas tiennent sans respirer pendant 15 minutes. Lewis. Lewis. Quoi? C'est quoi, cette histoire? On est allé, disons, nager un peu. C'était le pied. Le récif, il est de toute beauté. Génial. Vous n'auriez pas par hasard fait le devoir d'algèbre qu'on a pour demain? La question 7, c'est un cauchemar. Tu nous as manqué ce matin. On t'a appelé, mais ça répondait pas. Et l'exposé qu'on a en géographie, c'est pour jeudi. Il faut vraiment qu'on bosse ensemble là-dessus. Écoute, Cléo, peu importe ce qui nous arrive, c'est incroyable. Il faut que tu viennes nager avec nous. Les fonds sont merveilleux. Il n'est pas question que j'y aille. Tout ce qui nous est arrivé, je ne l'ai pas demandé, moi. Alors maintenant, fichez-moi la paix avec ça. Ouais. Hé, Cléo! Tu veux pas venir à la plage? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez tous à vouloir m'emmener à la plage? Hé, hey, reste cool, ça va. Désolée. Je suis un peu énervée. Alors, quoi de neuf? J'ai vu les premières tortues de la saison pondre leurs œufs sur la plage ce matin. C'était super! Waouh, ça devait être merveilleux. Oui, mais on m'a dit qu'il y en a une qui s'est fait prendre dans le filet d'un bateau de pêche. Oh, pauvre petite bête. À plus. Salut. Salut. Hé, hey, Cléo, ça te dit de venir faire un tour avec moi au centre commercial tout à l'heure? Pas le temps, désolée. Bah, écoute, Cléo, je sais que tous ces événements ont été un choc pour toi, mais tu peux pas t'errer toute ta vie sous prétexte que tu es une petite sirène. D'abord, je ne suis pas ce que tu dis. Je n'ai jamais aimé l'eau et ne l'aimerai jamais. Mais c'est ridicule. Tu ne toucheras plus jamais à l'eau jusqu'à la fin de tes jours. Tu t'es pris un râteau, hein? Elle a besoin d'un peu de temps pour réfléchir, c'est tout. Ah, j'ai l'impression qu'elle n'a pas envie d'en parler. Laisse tomber, Lewis. On va s'en occuper, c'est un truc de nana. Cléo. On voudrait te dire, pour ces histoires de sirènes... Il y a des choses plus importantes dans la vie que de savoir combien de temps on tient sans respirer ou que d'aller folâtrer avec des dauphins. On folâtre pas, on s'éclate! Comme tu veux, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas envie d'en parler. Comment tu peux dire ça? C'est l'aventure la plus folle qui nous soit jamais arrivée. Probablement la plus folle qui puisse même arriver à quelqu'un.
Au fait, on vous a parlé des tortues ? Des tortues ? Oui, il paraît qu'il y a une tortue qui se serait fait prendre dans un filet ce matin. Ça, c'est important. Je le crois pas, ça. Ouais, quelle hypocrisie ! Pourquoi ? Cléo, c'est ton père qui est pêcheur. Et c'est dans ses filets que se prennent les tortues. Qu'est-ce que tu racontes ? Mon père ne ferait jamais une chose pareille. Tu crois ? Cléo, un café ? Papa ? Est-ce que tu as déjà attrapé des tortues de mer ? Pourquoi tu me poses cette question ? C'est très simple. Je veux savoir si une tortue s'est déjà prise dans tes filets. Cléo, tu connais ton père. Je respecte les règles, d'accord ? C'est pas une réponse. On suit les règles au pied de la lettre. Chaque filet est fermé par une grille. Si une tortue est prise, on la dirige vers une de ces grilles. Et puis, on pêche à des kilomètres des plages où elles viennent pondre. Toujours est-il qu'il y a encore des tas de tortues qui se font prendre. Pas par moi. Ni par aucun pêcheur qui travaille dans les règles. Dépêche-toi, Jake. On fera jamais notre quota si on se remue pas un peu. Surgit des grands fonds. Les professionnels ont fait état d'incidents dont un requin solitaire pourrait être la cause. Ils ont eu la chance de ne pas être blessés, mais alors, ils se demandent ce qui a bien pu causer de tels dommages. Hé, Cléo, y a ton père à la télé ? Ça fait des années que je pêche dans ce coin, moi. Et il n'y a qu'une chose qui puisse causer des dommages pareils. Un monstrueux requin solitaire. Dans un instant, après... Pauvre papa. Désolé pour ton père, Cléo. Il n'y a jamais eu de requin solitaire dans son filet. Il y avait une tortue. On a coupé le filet pour la libérer. Non, Ricky. Mon père ne capture pas de tortue. C'est la vérité, Cléo. Je suis désolée. Cléo. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ici. Tu m'as vu parler à la télé ? Tu m'as trouvé bien ? C'est terrible ce requin, non ? Dis, tu ne peux pas vraiment savoir ce qu'il y a dans ton filet. Tu veux encore parler de cette tortue, c'est ça ? Oui. Cléo, on ne pêche qu'aux endroits autorisés et avec des filets réglementaires. C'est la loi et on la respecte. Tu ne peux pas savoir comme tu me déçois. Cléo ! Déjà rentré ? J'étais en train de me dire que j'aurais pas dû partir. On a perdu la moitié de la pêche. Tu sais, personne ne peut prédire une attaque de requin, Eddie. Même pas moi. Il a déchiré le filet ? Où est ce filet, Eddie ? Je l'ai jeté, pourquoi ? À quoi bon garder un filet déchiré ?
Il a tout nié en bloc. C'est vraiment horrible. Et puis, qu'est-ce que je pouvais dire? Je sais que tu mens, papa, parce que mes petites amies sirènes t'ont vu en train de pêcher tout près de la plage où les tortues pondent. Même ces filets n'étaient pas légaux. Désolée, c'est vrai. Et il n'y avait aucune de ces grilles dont tu parlais. Dites donc, ça s'arrange pas pour lui. Mon pauvre papa. Mais pour être honnête, ton père, on l'a pas vu en fait. Mais c'était bien son bateau. Vous en êtes sûr? Super. Tous les pêcheurs de ce côté de la planète se sont mis en tête de capturer ce pauvre requin. Le requin? Vous en faites pas, les filles. S'il est encore là, j'en ferai du sushi. Tu as vu ce cirque? Ils sont prêts à le chercher partout. On tente le coup? Je nage pas avec tous ces types dehors, c'est trop dangereux. Jusqu'à ce que ça se calme, on reste scotché à terre. Je sais à quoi tu penses. Ricky et Emma m'ont dit pour ton père. Oh, super. Ce qui fait que le monde entier sait que mon père est un criminel. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Je changerais de nom et je partirais dans la brousse. C'est ce que je ferais. Tu crois que ça m'aide, tes blagues? Ah, ne le prends pas mal. L'avantage, c'est que ça te fait oublier tout ce... Ben oui, ce truc de sirène. Ok. C'est vrai que ça me fait peur. C'est ce que tu veux entendre? Cléo, ça arrive à tout le monde d'avoir peur de quelque chose. Mais toi, tu m'épates, rien ne te résiste. C'est seulement à cause de ce terrible pouvoir que j'ai. Je ne vois pas ce qui t'épate là-dedans. Je parlais pas de tes pouvoirs. Ce requin demain? Peut-être. Il y a même une prime à gagner. Tout le monde va partir le chercher. Et si on tombe sur lui, on le rattrape pas. Ça va pas, Cléo? Je n'ai pas faim. C'est du poisson. Faut manger. Je t'ai dit que je n'avais pas faim, d'accord? Il est pêché de ce matin. Tout frais sorti de l'Esmeralda. De l'Esmeralda? Je croyais que t'étais sur ton bateau. C'est, avec trois bateaux à gérer, faut être flexible. Gus est à l'hôpital. C'est moi qui m'occupe de l'Esmeralda jusqu'à son retour à bord. Donc, tu n'étais pas sur ton bateau ce matin? Je viens de t'expliquer que... Donc, tu n'as pas la moindre idée de ce qui a été capturé, ni du lieu de pêche? C'est Eddie qui barrait à ma place. Et je crois ce qu'il me dit. Il n'irait pas faire un coup tordu. Tu m'en donnes? Dépêche-toi! J'ai pas envie d'être encore le dernier à sortir. Je veux qu'on se rattrape après la pêche perdue d'hier. On a une belle journée, largue tout! Cap sur Patterson Beach! Patterson Beach est en zone interdite. Ouais, et j'utilise aussi les anciens filets, pourquoi ça te gêne? Ouais, le patron n'aimerait pas ça. Y a qu'un seul patron sur ce bateau, Jono, et c'est moi. Alors tu tais et tu fais ton boulot. Cléo, qu'est-ce que tu fais là? Là. Qu'est-ce qu'il y a? Il pêche avec des filets illégaux et dans une zone interdite. T'es sûr? Oui, et je compte bien les stopper. File chercher les autres. Mais pourquoi faire? Tu y vas ou quoi? Cléo? Ah, d'accord. Thank you.
pas là pour oublier. Et garde un œil sur le requin. Je crois que le requin, c'est le cadet de tes soucis. Si tu la fermes pas maintenant, Jono, tu perds ton boulot. Des tortues dans le coin. Ouais, et alors? On peut pas pêcher là, c'est illégal. Dan va nous tuer, tu sais. Faudrait qu'il s'en aperçoive. Faut pas jouer à ce jeu-là, mec. Regarde, c'est pas une tortue. Je veux venir de bord. Ça a plutôt l'air d'être le requin. Prépare-toi, j'ai pas envie de le rater. Qui... Où est-ce qu'elle est? Elle est dans l'eau. Il serait temps. Non. Lewis, enfin, est-ce que tu pourrais t'exprimer comme quelqu'un de normal? Venez. Ça y est, on l'a eu, Capitaine. Il est dans le chalut. Alors remonte-le à bord avant qu'il déchire tout. Je vais pas le laisser filer cette fois. J'ai paniqué. Je ne savais pas qu'on pouvait tenir si longtemps. Mais je me suis rappelé ce que vous m'aviez dit. Et le plus fort, c'est que quand j'ai arrêté de compter, ça faisait plus de 16 minutes. On y va, allez. Cléo. Ça va pas, chérie? Je suis désolée, papa. Je sais que ça va pas te plaire. Mais il faut que je te le dise. Tu t'es débarrassée du filet? Quel filet, Eddie?
Tu entends pas ce que je te dis? Où est le filet? Le... Quel filet? Jono! Oui? Pourquoi tu veux pas me dire ce qui s'est passé, Eddie? Moi, je vais vous le dire, patron. Je l'ai viré. J'avais confiance en lui et il a bafoué toutes les règles de la pêche. Je pouvais pas le garder après ça. T'es trop dur, papa. Les tortues t'en sont reconnaissantes. Comment tu savais qu'il n'avait pas les bons filets et qu'il pêchait dans la zone interdite? C'est mon petit doigt qui me l'a dit. La mer est pleine de mystères. Pas vrai? Ouais, bien sûr. Tu m'en veux pas d'avoir douté de toi? Lewis? Ouais. Écoute, demain matin, il faut que je te montre quelque chose. Ah, regardez les filles, des œufs de tortue. Oh! Les petites tortues, c'est tellement chou. J'espère que tous les œufs vont éclore. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Quelque chose. On y va? Thank you.